Bonjour. C'est avec plaisir que les élèves du groupe 492 vous invitent à écouter les poèmes qu'ils ont composés dans le cadre du module de recherche À quoi ça sert un poème? Ces poèmes ont permis aux élèves d'exprimer des émotions, des sentiments sur des sujets qui les touchent. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. La fin du monde. J'ouvris une porte et je vis un univers de désolation. L'horreur qu'est le sang et les milliers de déchets envahir la région. J'ai peur d'être le dernier humain, de me retrouver avec rien, seulement moi, la solitude et la fin du monde. Je touche le dernier arbre au monde. Il se situe au Canada et c'est un palmier d'Alaska. J'entends la lave rugir, les guerres éclater, les pleurs des mamans. Elle crie « Non, pourquoi mon enfant? » Je trouve du pétrole. Pourquoi est-il en dessous de chez moi? Je ne veux pas produire du gaz qui va servir à détruire mon habitat. Je sens la couche d'ozone s'envoler avec tous mes espoirs, ma force, mes sentiments et ma vie. Je referme la porte, la barre à double clé et pars me cacher devant ce monde qui gronde dans ma tête. Cédric Bergeron. Mes portes s'ouvrent. J'adore ouvrir mes portes. Je sens le linge qui traîne derrière l'accès de ma chambre. J'écoute la neige derrière l'entrée principale. Je vois la nature derrière le portail de ma cour. J'entends la rage derrière la portière de mon frère. Je vois le bonheur derrière l'accès de la porte moustiquaire. Je sens la peur derrière le portail de mon placard. Et je touche la vie derrière la porte de mon cœur. Mathieu Babin. Une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre sur l'enfer. L'enfer, pour moi, c'est l'écriture. Quand j'écris, je me sens mal. Emprisonné par les mots et torturé par eux. Quand j'écris un poème, j'ai des problèmes. Les vers me causent des soucis, les poèmes m'ennuient. Je manque de confiance en moi. Tout ça pour vous dire que l'écriture, je n'aime pas ça, mais j'ai fait des progrès. Parce que je suis bien entouré, les gens ont confiance en moi. Marc-Antoine Bérubé, mon petit. Le paradis. Une porte s'ouvre devant mes yeux émerveillés. Émerveillé par la beauté de notre monde qui sent la joie qui circule autour de moi. Autour de moi, il y a le paradis dont j'ai rêvé toute ma vie. Toute ma vie, je le voyais comme une place où je reverrais tous ceux qui sont partis de ma vie à tout jamais ils vont rester, rester gravés dans mon cœur à la vie. Audrey Cloutier. Le paradis. Au paradis, lorsque je suis arrivée, j'étais tout étourdie, alors je me suis évanouie. J'aurais aimé revoir les jours avec mes amis. On s'amusait, on fêtait, on riait. J'aurais aimé toucher les nuages qui voyageaient avec des bagages. J'aurais aimé toucher le ciel qui sentait le caramel. J'aurais aimé toucher les poils de ma chaîne étoile. Tout ça pour vous dire que je voudrais revivre. Kim Brosseau. Les vacances. J'ai hâte d'arriver à Cuba. Je sens que les vacances arrivent. Et oui, elles sont arrivées. J'aime aller au bar. Je savoure les drinks à volonté. Surtout la magnifique limonade jaune, rouge et bleue. En catamaran, j'entends les vagues de la mer. Et mon papa, bien sûr, pêche un géant barracuda. Là-bas, je profite du soleil, car au Canada, il fait beaucoup trop froid. Justin Bélanger. Le sport. Le hockey m'a fait faire du sport, en même temps que je m'amuse. J'adore jouer au hockey et je me réjouis quand un Canadien gagne ou fait un but. Le tennis me fait bouger en même temps que je m'amuse. Quand je joue au tennis, je sabondis la balle dans tous les sens. Quand je me réjouis au tennis, mon grand-père déborde de fierté. Finalement, quand je fais du sport, c'est
pour rester en santé et bien sûr pour m'amuser. Antoine B. Mon arrière-grand-père, à un homme patient qui aime les gens. Le 7 mars, je suis allée fêter tes 100 ans et tu es encore conscient. Je suis contente que tu sois en vie. Tu es si gentil. Je peux encore te voir. Pour moi, c'est de l'espoir. Un jour, tu disparaîtras de ma vue, mais dans mon cœur, tu ne serais pas perdu. Mais je n'y peux rien, j'aurai du chagrin. Laurie Corette. Ma maman. Ma maman est là et elle y restera. Ma maman guérira et elle s'en sortira. Ma maman, si elle s'en va, qui s'occupera de moi? Ma maman ne me ressemble pas. En fait, si, parfois. Elle est une fine petite fleur, tout droit sortie de mon cœur. Ma maman, je l'aime tant. Justine Leblanc. La porte des sentiments. Aujourd'hui s'ouvre la porte de la tristesse. Une pluie de larmes s'abat sur moi, chagrin et désespoir sont présents. Aujourd'hui s'ouvre la porte de la joie. Un champ de fleurs s'étend devant moi, je prends plaisir à tout ce qui existe. Aujourd'hui s'ouvre la porte de la colère. Je ne vois qu'une ombre noire dans une forêt déracinée et incendiée. Aujourd'hui s'ouvre la porte de la peur. J'observe des créatures effrayantes et des ombres bleues non rassurantes. Aujourd'hui s'ouvre la porte de mon cœur. Je nage dans le bien-être tout comme je fonds dans le bonheur. Aurélie Quelbois. Une porte s'ouvre sur mes chagrins qui coulent sur mes joues qui manquent de bisous pleins de douceur par mon père que je ne vois jamais, car il est toujours dans l'avion, l'avion que je déteste tant. Que je déteste tant car il me vole mon père, moi qui est mon prodigieux repère, mon repère qui me montre la vie que j'aime autant que mon papa qui me manque terriblement, tout ça pour dire la vérité. Florence Pichet-Venel. La forêt. J'aime la resplendissante forêt et son ambiance de paix. J'adore ces animaux malins et ces arbres qui chantent un air serein. Et quand le ciel pleure à chaudes larmes, les rivières le consolent avec leur charme. La guerre des animaux se termine lorsque les chasseurs crient famine. J'entends le gazouillis des oiseaux et tous les cris de corbeaux. Dans mon sac de couchage, je me dis que je suis mieux qu'à la plage. J'aime aussi piloter mon petit VTT. Finalement, partir en forêt, c'est être au paradis parfait. C'était Carl Bivin. La porte s'ouvre sur les vacances. En regardant la poudre blanche, j'ai hâte au soleil du sud. Dans le gigantesque oiseau, je ressens déjà les 30 degrés sur ma peau. Ensuite, j'entends les tourbillons bleus, des tourbillons de liquide. Enfin, je suis au paradis, mais je m'ennuie déjà du ski. Je veux dire du ski alpin. Je me sens excité, excité de plonger parmi les poissons. Je prévois une rafale de soucis. Je pense admirer les volantes des mers. Je suis triste de reprendre l'oiseau. J'ai adoré cette fabuleuse Jamaïque, mais j'ai hâte de revoir l'autre paradis. C'était le voyage de mes rêves. Xavier Rabat. L'amitié. Elle est notre meilleure amie et elle nous donne la vie. Je la respire tout comme le plaisir. Je lui dis bonjour à chaque jour. Lorsque je me fais de nouveaux alliés, elle est en train de fêter. Lorsque j'ai du plaisir, elle me fait sourire. Lorsqu'elle va partir, moi, je vais mourir. L'amitié. Marc-Antoine Gervais.